Salut tout le monde, ici Deadcake. Aujourd'hui, on va continuer notre série de Horizon. Oh. Ah, ok, dans le dernier épisode, on avait commencé le creuset ici. On va continuer ça. Ça l'a pas pris. Ok. Peut-être essayer d'en mettre un dans le milieu. Ok. Attirer l'attention de personne. Oh, on en a un. Ok, on a un. On va marquer ça comme cible. C'est quoi qui fait? C'est quoi qui me fait là? J'ai plus de munitions, mais j'ai des idées. T'as plus de munitions, mais t'as des idées, c'est bien ça. Parce que les idées. Ça frappe fort, là. Ok. Reste tranquille. J'ai pas de contact avec. Non. Reprenez vos activités. Si on fait un petit tour. Oh. Qui a un contact avec moi là? Oh, toi, tu. Ouais, hein? Il faut chier, toi. Ok. J'ai pas de potion, j'ai pas rien pour me redonner de la vie. Piège ici, tout d'un coup, qui décide de monter. Pourquoi il est parti là-bas?
Ok. On va pirater ça. Pirater ça. Voir ce que ça va faire. Ok, ça a ouvert les portes là-bas. Non, pas ça, je voulais pas en tout. Oh snap! Eh oui, évidemment. Bon. Bon. Trouver le moyen de tuer cette affaire-là. Sans potion, sans winner. Il la verse ici, comme le sang dans le cœur. Le creuset a donc une vie propre. Ah ok, faut que je retue tout le monde, donc je vais cleaner la pièce, puis je vous revois un coup que ça va être fait. Voilà qu'il me chasse. Ok. J'ai enfin réussi à tout tuer ce qu'il y avait dans cette pièce-là. Je pense par exemple... Wow, le mouvement ici m'a fait un petit peur. Je pense par exemple que dans l'autre pièce, ils sont encore tout en vie, donc on va essayer de... Pas attirer trop leur attention, n'empêche que c'est juste des petits veilleurs, ça devrait pas être trop dur. Et ouais, ça pourrait changer la donne à cette heure que c'est fini. Ok. Donc... premièrement, je pense qu'il faut aller chercher le coffre qu'on avait pris. Prendre le prochain taxi. Yep.
Pendant qu'on est dans les airs, j'ai eu un petit flash. On n'a pas des boîtes. Bon, ça nous fait une potion de plus. Si on retourne à artisanat, piège et potion, potion de santé, bonus de santé, potion de santé totale. Ok. C'est déjà ça. Potion de résistance. Ok. Piège, on peut refaire le plein. Munitions. Ah, ok. Piratage désactivé pendant la recharge. Ah, parce que je venais de pirater l'autre cassin et tout. Je comprenais pas, là. Ok. Ça, ça s'ouvre. Pas l'air d'avoir trop de mouvement ici. Wow. Nope, je suis jusqu'en bas. Voilà où je dois aller. Les entrailles de cette bête géante. Ok, toi... t'es pas considéré comme un danger, c'est correct. Je saurais quoi en faire. Je suis pas sûr que je peux ressauter d'où je viens. C'est ici que je dois aller. Ok. Oh, c'est un de ces foutus crocodiles. Ok. Ça va être tout un combat, d'après moi. On sait jamais, ça peut servir.
Ok. Bon. Essayer de le pirater. Oh, lui il est réveillé. Bon, piratage, hop au marché. Tu veux-tu te pousser de là? Ok. Bon, tu t'en viens-tu? Retourne de bord. Tu te fous de ma gueule. Oh, ok, il s'en revient par ici. Ok, on peut pas les pirater trop proche du bouclier, je perds full de vie. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Ok. On va s'installer. Petit piège un peu partout. On va s'en mettre à l'extérieur aussi. Là, c'est bon.
Ok, nos pièges sont mis. Ok, on était bien parti. Mais ça n'a pas passé. Ok, je vais replacer tous nos pièges, puis je vous reviens quand ça va être fait pour économiser un peu de temps sur l'épisode, puis pas que ça soit trop ennuyant pour vous. Ok, donc, j'ai placé des pièges électriques un peu partout. J'aime pas ça. Avec notre câble électrique, notre lance-câble plutôt. Il y a un nombre de pièges limité qu'on peut avoir sur le terrain en même temps. Donc, j'ai pas placé nos autres pièges. Aussitôt qu'ils tombent dedans, on va en placer au fur et à mesure. Le problème, c'est pas tant le crocodile, mais c'est plus l'autre gros dude qui arrive en même temps. On va essayer de se mettre ici. Oui, le problème. Et merde. Qui est-ce que c'est? Ok, je peux-tu sortir d'ici? Oh fuck man.
J'ai pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit à part m'enfuir. Merde. Ok, ça c'est pas pire. Non! Craig de poignée partout! C'est clair qu'on l'aura jamais cette histoire-là! Et voilà. Bon, donc je vais continuer d'essayer, je vous revois si jamais je le passe. Ok, ça a été rough. J'ai fini par l'avoir après quelques essais. Ah ben oui, puis il y a ça qui traîne ici que j'aurais dû prendre bien avant. Ok... Garde ça pour la route. Bon. Dans le fond, le truc que j'ai trouvé, c'est la tour où j'ai fait mon piratage. J'ai mis toutes les câbles électriques possibles entre le crocodile puis moi. Puis par miracle, il y en a un des deux qui m'a juste oublié le temps que je tue le premier. Après ça, j'ai pu tuer le deuxième. Je les ai tués un à la fois au lieu des deux en même temps. Je sais pas... comment que j'ai arrivé à faire ça, mais ça a marché. On a énergie. Parce qu'il n'y a pas rien d'autre à fouiller. On va pouvoir pirater ça. C'est bon. Je peux pirater plus de machines. Ok. C'était quelque chose, je peux vous le dire. Ok.
Non. Bon, donc ça va pas mal être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'était pas un épisode facile, je dois vous le dire. C'était quand même rushant. Vraiment rushant, en fait. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit like, me laisser vos commentaires sur la série jusqu'à date. Puis moi, je vous revois dans le prochain épisode. Ciao!